Les amis, nous y sommes, Paris Saint-Germain, Real Madrid, jour J, soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez, et soyez les bienvenus à la maison pour ce point actualité Paris Saint-Germain, Real Madrid. Je vous donne toutes les dernières informations, on va parler un peu du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, les derniers matchs qu'ils ont fait, donc, je vous donnerai les coups probables, mes pronos pour ce soir. Voilà un peu le programme qui nous attend pendant cette petite après-midi, les amis, en direct. Donc, c'est parti. Je vous propose de commencer, mais avant, n'oubliez pas, on se retrouve toutes les semaines en direct sur Twitch pour parler Paris Saint-Germain, Real Madrid. On va commencer par le Real Madrid, le match qui a eu lieu. Je vous propose de commencer avec le Villarreal Real Madrid. On était à J-3, c'était samedi. Le Real Madrid a été tenu en échec avant de retrouver Paris ce soir. Ce qui explique qu'il y avait l'absence de Benzema. Vinicius sans Benzema, il n'est pas très très fort. Il faut qu'il y ait son grand frère, comme vous l'appelez. Et Carlo Ancelotti avait testé quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs mois après, il l'a titularisé, Gareth Bale, pour ce match. Gareth Bale, les amis. Et oui, on ne sait toujours pas si Benzema sera présent. On va en revenir dans un instant pour Benzema. Bale, enfilé la fille. Plusieurs changements durant ces derniers matchs en l'absence de Benzema. Asensio en faux 9, Militao en faux 9. Carlo Ancelotti essaye des choses parce qu'il ne sait pas s'il va pouvoir titulariser Karim Benzema, est-ce qu'il va pouvoir jouer le match en entier. On va en revenir dans un instant. Donc, le Real Madrid est solidement en tête, bien sûr, du classement de la Liga. Ils sont premiers devant Séville. Mais Séville revient à 4 points. À 4 petits points avec un match en moins, je précise. Séville a un match en moins. Donc, le FC Séville se rapproche dangereusement du Real Madrid. Mais ce qu'on constate, les amis, c'est que sans Karim Benzema, le Real Madrid n'arrive pas. On marque très peu. Il y a 3 semaines, il était absent sur les derniers matchs. Une défaite en coupe face à l'Athletic Bilbao. Une victoire seulement 1-0 en championnat. Et maintenant 1-0. 0-0, pardon, face à Villarreal. Le 1-0, c'était un but d'Asensio face à l'Espagnol. Donc, on remarque que sans Karim Benzema et sans un bon Vinicius, le Real Madrid n'a rien. Côté parisien, c'était un peu difficile également. Très difficile. Mais victoire du Paris Saint-Germain face à Rennes vendredi 1-0. But de Kylian Mbappé à la toute dernière minute dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel, c'était pas. On se souvient, le match aller, c'était Rennes qui s'était imposé 2 à 0 face au Paris Saint-Germain, et c'était Rennes. Mbappé est le maître à jouer du Paris Saint-Germain. C'est comme Benzema et le Real. Si Kylian Mbappé n'est pas là, le Paris Saint-Germain a du mal. On sait qu'il y a des rumeurs qui envoient Mbappé au Real Madrid et que ça va être difficile. Si les Parisiens disent instant, rien ne dit pour le moment. Mais ce qui est sûr, qui est Mbappé est encore le sauveur du Paris Saint-Germain face à Rennes. C'était vendredi. Maintenant, on va passer au match. Je vais vous donner toutes les dernières informations pour ce match, notamment concernant Karim Benzema, les amis. On était hier. Je vous l'ai dit, je vais poster cette pastille sur Twitter. Benzema titulaire face à Paris, c'est la grande question, les amis. On va en parler dans les compos probables dans un instant.
Est-ce qu'il sera titulaire? Ça, c'était face à Elche, cette image. Ça, Elche, lors de sa blessure, s'est sorti il y a 3 semaines. Mais la grande question, c'est que Carlo Ancelotti va-t-il titulariser Karim Benzema? Hier, il était en conférence de presse. Il a dit qu'il était prêt. Il était apte. Il voulait jouer ce match. C'est la question qu'on se pose également. Benzema opérationnel ou pas? Oui ou non? Dites-moi vos avis en commentaire. Je vous réponds. On va faire un petit sondage, les amis. Hop. Alors, un sondage. Je vais créer un sondage. Un sondage pour vous. Hop. Alors, on va modifier ça. On va créer un petit sondage, les amis. Alors. Un sondage. Bon, c'est pas grave, on va pas créer de sondage en direct. Mais si la question, je vais vous la mettre sur Twitter, sur le chat. Benzema. Dites-moi dans les commentaires, je vous lis. La grande question, est-ce que Kevin va-t-il jouer 90 minutes? Certaines sources s'accordent pour dire qu'il va titulariser à Benzema. Je pense notamment à Malca, à et l'équipe, donc enfin l'équipe qui tu vas mettre Benzema titulaire. Il y avait aussi une incertitude pour Ferland Mendy qui lui sera bel et bien là titulaire à son poste latéral droit. C'était l'incertitude Karim Benzema et Ferland Mendy sera titulaire, c'est la formation principale. On est sur le Real, je vais vous les compos probables. Là, je vous ai mis une compo probable, c'était hier. C'était hier avant la conférence de presse. Courtois dans les buts, Carvajal ou Fernand Mendy, j'ai oublié de le mettre. Côté droit, Militao, Alaba. Ah, j'ai mis deux fois Alaba, mais c'était Mendy, pardon, à la place de Alaba. La salle des machines, Casemiro, Modric, Kroos au milieu. On appelle la scène Vinicius, Benzema ou Bale et Asensio pour le côté droit. Asensio, il est bon ces derniers temps. On remarque ça. Il est bon. Il peut être bon. Et notamment, il peut sauver le Real Madrid également. Bien sûr, face à Paris, il y a une bataille de feu. On va y revenir dans un instant pour le Paris Saint-Germain. Je vous disais, ça peut être Carvajal ou Mendy. Ce sera plus Mendy qui serait titulaire. Et ça sera pardon, Carvajal et Mendy. Excusez-moi, je me suis trompé dans la compo là, c'est à la. Bah, c'est Mendy, donc Carvajal, Militao, Alaba et Mendy en défense. Courtois, bien sûr, c'est dans les cages, sans problème. Salle des machines, Casemiro, Modric et Kroos. On pouvait penser à Camavinga ou à Valverde, mais Carlo Ancelotti veut assurer son milieu de terrain avec la salle des machines. Les joueurs clés du Real, à savoir Casemiro, Modric et Toni Kroos. Et pour l'attaque, Vinicius, bien sûr, sans hésiter, on pense à Vinicius évidemment, à Benzema ou Bale, comme je vous ai dit, et à Asensio ou Hazard également, c'est en fonction au choix de Carlo Ancelotti. Mais
Cette compo semble privilégiée par Carlo Ancelotti en faire les amis. On va revenir, à savoir Casemiro, revenir bien sûr les amis sur Benzema. Dites-moi les informations qui sortent, comme je vous ai dit, titularisation de Benzema. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va jouer l'intégralité du match. Il devrait jouer quand même une partie du match. Et s'il va jouer l'intégralité du match, rien n'est acquis. Il voudrait, selon lui, il a dit en conférence de presse qu'il voudrait jouer ce match impératif. On va passer maintenant côté parisien et on verra, je vous rappellerai tout ça tout à l'heure. Neymar, les amis, le groupe du Paris Saint-Germain est sorti sur Twitter. Je vais vous le donner. Hop, je vais vous l'afficher, les amis. Le groupe du Paris Saint-Germain est sorti sur Twitter. Je vais vous afficher ça tout de suite. Deux petites secondes, je vous affiche ça tout de suite, les amis. Le groupe du Paris Saint-Germain est sorti. Et bien sûr, on a évidemment Neymar. Neymar est présent dans le groupe. C'était l'incertitude, mais il sera là. Neymar, le président. Est-ce qu'il va jouer? On en parlera dans un instant. Je vous donnerai les petites informations. Mais vous en avez su, je vous avais posté les pastilles sur Twitter. Donc vous avez eu un peu d'informations. Mais là, les informations complémentaires seront annoncées, comme je peux dire. Déjà, il faut que. Hop. Alors, tac. Twitter. Alors, ça veut bien s'ouvrir. Neymar is back à Madrid, face à Madrid, je vous le dis hier. Il y avait eu un petit indice logique hier quand je vous ai annoncé ça sur Twitter. Mais Neymar is back. Il est dans le groupe. Neymar, et oui, il est dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter le match. Il y avait une hypothèse pour qu'il soit titulaire. Et oui, dès le début du match, cette hypothèse a été écartée. Il ne devrait pas être titulaire. Mais il devrait vraisemblablement rentrer jouer ce match. Évidemment, donc pas d'inquiétude, il devrait rentrer pour ce match. Je pense que l'entraîneur Mauricio Pochettino, en fonction du résultat, va le faire rentrer en seconde période, début en fonction du résultat. S'il est défavorable, il fera rentrer Neymar à la place de Di Maria. Sinon, si le résultat est positif, il attendra les 20 dernières minutes, je pense, pour se faire rentrer. Parce qu'il n'a pas eu de match dans les jambes depuis sa blessure. Il n'a même pas joué, il n'a fait aucun match en 2022 pour le moment, Neymar. Donc, pour prendre aucun risque, Neymar, c'est pour continuer, devrait voir en fonction du score si. Il est positif, il attendrait, selon moi, c'est mon avis, c'est pas une information, c'est un avis personnel. Selon moi, il devrait, en fonction du résultat, s'il est positif, il attendrait, enfin, la fin du match, au point 15 dernières minutes. En revanche, si le résultat est négatif, il essaierait de faire rentrer plus tôt, soit en début de seconde période, soit au milieu, vers la 50e. Quelque chose comme ça pour essayer d'inverser la tendance, bien sûr, pour ce match. Je rappelle la règle, le but à l'extérieur ne compte plus avant, en cas de but à l'extérieur, s'il y avait un 2-2 match retour et un 2 pour Paris, par exemple, les 2-2, c'était Paris qui se qualifiait. Non, pardon, 2-0. Non, 2-1 pardon, match aller pour Paris et 2-0 pour Paris, c'est Paris qui, ou 2-1 pour le Real, pardon, 2-0 pour Paris, c'est Paris qui se qualifie au match retour. Hop, je vais vous mettre là le groupe. Sont également, je vous dirai ça tout à l'heure, selon Squeak Rente, c'est
Benzema devrait être titulaire ce soir, c'est la tendance qui se confirme, comme je vous avais dit tout à l'heure. Alors, faut juste que je retrouve. Hop, voilà le compte officiel du Paris Saint-Germain pour vous mettre le groupe et on va en parler. Hop, si ça veut bien, ça va aller, ça va arriver, vous inquiétez pas. Bien sûr. Hop, on ajoute un calque. C'est pas ça que je vais faire, c'est scène. Je vais vous la mettre. Ajouter modifier tac. Alors, ça avait bien marché. Vous allez le voir normalement, le partage. J'ai pas mis la source. Ok. Ça devrait arriver, je pense. Bon, je vais cacher l'image. Voilà, on y est. Parfait. Alors, le groupe, il est là. Tac, tac, tac. Normalement ça va s'afficher, vous allez voir, ça va s'afficher. Hop, on enregistre. Ça va être mieux comme ça. Attendez, je vais juste modifier ce que je vais faire autrement, c'est le plus simple, comme ça vous allez avoir. Modifier et remettre l'image. On va faire autrement les amis. Tac tac tac. Deux, je vous demande de passer des quelques secondes. Quoique ça va peut-être le faire. Ça peut le faire, mais sinon. On va aller directement. Alors, je vais mettre le groupe, vous n'inquiétez pas. Juste pour moi, sinon je vais faire comme j'avais prévu. On va faire ça comme ça. Hop. Voilà.
On va faire ça comme ça, les amis. Hop. Tac, tac. Enregistre. Et voilà. Alors, le groupe parisien. Navas, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria, Pogba, Ronaldo, Kurzawa, Herrera, Diallo, Draxler, Kerrer, Nomedes, Idrissa Gueye, qui est forfait, on en reviendra également. Messi, Xavi, Simon, Donnarumma et Letellier. Les forfaits, Sergio Ramos, bien sûr, Idrissa Gueye, Ander Herrera est très incertain. Et voilà pour les absents, mais ou si c'est pas forfait, il ne devrait pas jouer. Gueye et Herrera, voilà un peu pour le Paris Saint-Germain. On va revenir très rapidement pour Neymar. Vous avez dit Neymar devrait jouer, mais très peu. Après, il y a aussi, bien sûr, on connaît. Duo, on connaît ce duo, les amis. Je vous avais posté ça jeudi. C'était en LT à J-5. Ramos et Mbappé mis avant. Mais oui, on sait que Sergio Ramos ne sera malheureusement pas là. Lui qui voulait jouer face à son ancienne équipe et qui connaît par cœur, comme Keylor Navas, la Maison Blanche, ne sera pas parfait. Et qui sera là au match retour. Mbappé, lui, sera bel et bien pour ce match face au Real Madrid. Il va jouer au Real Madrid. Oui, on le sait, mais il ne passera pas le 15 à 10 ans. Il jouera contre son. Est-ce que sa future équipe à la fin de la saison? Les discussions pour une prolongation sont toujours ouvertes. Mais rien n'est exclu côté clan Mbappé, prolongation, partir, rien n'est exclu pour le moment. Il sera normalement côté parisien avec son numéro 7, côté de Lionel Messi et dans Real Timaria. On sait pour. Je vais vous montrer une petite vidéo, les amis. Une petite vidéo, hop. Oh non, je vais pas vous montrer de vidéo parce non, je vais pas vous montrer de vidéo. Non, je regardais juste pour savoir si je vous montre par contre une petite image que je trouve. Je trouve sympa qui c'était fait par Philippe Pacovici qui est sympa pour le match du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Je la trouve sympa cette image, je vous la montre. Tac. Si elle veut bien s'afficher. Ah voilà, elle s'affiche. Je trouve sympa cette petite image de Flip. Comme je vous dis. Aussi je trouve sympa cette image ici avec. On voit les couleurs de Paris et de la France, bien sûr, les couleurs d'Espagne, le rouge et le jaune, l'orange. Ça reflète bien l'affrontement France-Espagne, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Voilà, je voulais vous montrer cette petite image que je trouve sympa. Voilà les amis. On va passer maintenant au compo probable du Paris Saint-Germain, comme je vous disais. Alors, dans les cages de Norma. Navas, la tendance serait pour Gincho Donnarumma.
côté droit, Nuno Mendes. Milieu de terrain, Marquinhos et Hakimi, côté gauche. Au milieu de terrain, Paredes. Paredes, oui. Verratti et Danilo. Pour remplacer soit Gay, soit Wijnaldum. On attaque bien sûr Mbappé, Messi, pour le trio offensif du Paris Saint-Germain. Je vais vous montrer d'autres compos qui sont comme je vais vous montrer aussi la ligne de Marca, de Marca aujourd'hui. Hop. Hop. Alors la une de Malka, je vais faire directement. Alors, hop. Avec Pablo Polo, c'est la plume de Malka du journal Marca en Espagne. Hop, je vais vous la retrouver parce que j'ai bien aimé cette une. Alors, je vais vous la retrouver, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que je la retrouve? Tac tac tac. Alors, hop, et je vais vous montrer celle de As aussi. Comme ça, vous allez comparer. Hop. Alors, vous allez pouvoir comparer les, je vous montrer les comparaisons. C'est quasiment la même, les mêmes unes, mais elles sont, et même la presse catalane s'est emparée aussi, parce que il y a Messi, la bête noire du Real Madrid quand il était au Barça. On s'en souvient tous. Il marquait à chaque fois, il était décisif à chaque fois qu'il rencontrait le Real Madrid. Va-t-il être décisif ce soir face au Real Madrid? Mais c'est une autre équipe, une couleur, le Paris Saint-Germain. Cette réponse sera bien évidemment en suspens. Alors, là, hop. Alors, faut juste que je retrouve, par contre, la publication. Ah oui, il y a un autre 11 selon As aussi que je vais vous montrer. Tac 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 tac. Selon moi, ils ont fait une autre compo, mais c'est celle que je vous ai dit.
pour le Real. Deux petites minutes les amis. Hop. C'est dommage. Je peux pas avoir l'application DAS. Oh, je peux la trouver. Je vais vous la trouver. Marquez, ils ont fait une compo ou pas? Alors, je vous rappelle la compo probable du Real Madrid que je vous ai annoncé moi, c'est celle-ci, avec une du deuxième à la barre. Je me suis trompé en faisant cette compo. C'était une erreur de ma part. Et bien sûr, la salle des machines Casemiro, Modric, Kroos, en attaque Vinicius, Benzema ou Bale et Asensio pour compléter l'attaque aux côtés de Benzema ou de Gareth Bale. Le marquage, je vais voir si c'est une compo. Alors. Avant de vous montrer la publication, la une du journal Malca, comme je vous ai dit, avec la plume Pablo Polo, qui est à Paris pour suivre toute l'actualité parisienne et madrilène. Tac, tac, tac. Me semble pas. Par contre, je vais vous montrer à une de Mundo Deportivo Sport aussi s'est emparé et regardez quel titre ils ont donné à la une pour ce match. On sait tous. Ah, ils ont des compos différentes également que je vais vous montrer. Alors, hop, on accepte. Voilà, hop, je vois la compo là. J'ai trouvé sympa cette une de marque qui reflète bien un peu ce choc Paris Saint-Germain Real Madrid. Hop, je vais juste dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir en entier la une. Hop. On dézoome un petit peu. Tac. Encore un petit peu. Tac. Voilà. Et je vous partage ça. Regardez. Vous voyez, on voit Vinicius et Kylian Mbappé avec les pieds qui servent de toboggan. D'attraction, on pense notamment les barres d'attraction dans un des grands 8 qui la tour Eiffel fait les grands 8 pour Kylian Mbappé et Vinicius. Voilà que j'ai trouvé sympa.
que je retrouve. La compo du réel. Je vais vous la montrer. Selon As. Alors, 2 petites minutes les amis. Peut-être que je vous sonne une page pour que vous puissiez la voir, parce que je vais l'afficher en grand. Je vais vous l'afficher en grand, si c'est possible. Sinon, vous allez la voir comme ça. Alors, voilà. Tac. Je vous l'ouvre dans un nouvel onglet. Ah, là, il y a la compo selon Mundo Deportivo. Qui est totalement différente. Je vais vous la montrer également. Je vais vous montrer plusieurs compos différents. Ah non, c'est ouais, je vais mettre celle-là. Alors, on a Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Benzema, Mendes, Verratti, Paredes, Rabiot, Messi, Di Maria, Mbappé. C'est quasiment la même que je vous ai donnée. Côté Real Madrid, c'est Courtois, dans le cash, Carvajal, Militao, Alba, Mendy, comme je vous ai dit, Modric, Casemiro et Kroos, la salle des machines, Marco Asensio, Benzema et Vinicius. Côté Real, voilà, c'est quasiment les mêmes que je vous ai dites tout à l'heure. Est-ce que cette compo vous convient, vous plaît, les amis? Dites-moi en commentaire. Je vous affiche celle de As. On compare, hop, donc je vous remets cette image en attendant. Celle-là, c'est celle de Mundo Deportivo avec notre ami Albert Massimo. La grande pluie de ce journal Mundo Deportivo. Par contre, je vous retrouve la une de Mundo Deportivo qui était éditée par Albert Massimo. Car je la trouve, je voulais vous montrer un peu comme vous avez nommé Messi. C'est dommage. Hop, voilà la compo du Real. Je vous l'affiche, les amis. C'était celle que on sait que aucun joueur madrilène n'est menacé de suspension pour match retour en cas de carton jaune. Voilà ton jaune ce soir. C'est la même que je vous ai annoncé avec Benzema, titulaire de tous les journaux espagnols. Et quelques journaux français, Aline Benzema titulaire, donc il devrait être titulaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'information, c'est que la tendance serait qu'il soit titulaire au poste de numéro 9 à son habitude. Voilà, les amis, donc information Benzema titulaire ce soir. Par contre, c'est dommage, je voulais vous montrer. C'est dommage, je voulais vous montrer.
C'est dommage. C'est dommage, les amis. Je vais vous la montrer quand même, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, voilà, je vais la récupérer. Et je vais vous montrer cette petite vidéo, les amis. En attendant, hop. Je vais vous montrer cette petite vidéo, les amis, en attendant que je vous récupère l'image. Je vais vous montrer cette petite vidéo, les amis. C'est Florentino Pérez qui arrive au rendez-vous au déjeuner avec la fille du président Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi, président Paris Saint-Germain, et Florian Thérèse de Paris Saint-Germain. Ça, c'est l'arrivée du président parisien au déjeuner organisé. Et là, maintenant, je vais vous montrer l'arrivée du président Florian Thérèse. Dites-moi les amis selon vous. Application de As. Je vais peut-être la voir là, finalement. Dites-moi en commentaire si Benzema ou Paris Saint-Germain et Donnarumma ou Navas dans les cages côté parisien. Moi, dans le chat, je vous réponds, les amis. On parle de Paris Saint-Germain à Real Madrid. Je rappelle, c'est une finale à la télé ou au match pour Paris des Princes. Bien sûr, les amis, c'est possible. J'aurais pas l'application de As, quoique. Non, ça c'était alors
pensais l'avoir, mais finalement. Je sais pourquoi j'ai pas trouvé. Non, bon, je vais pas l'avoir malheureusement. C'est pas grave, à mon cul. Sur internet, mais c'est pas grave, les amis. C'est pas bien grave. Dites-moi, je rappelle vos à la question bâtiment opérationnel selon vous, Donnarumma. On en débat ensemble. C'est pas grave, malheureusement, on va pas. Je suis désolé, je vais pas avoir la ligne du passe de Deportivo. Tac, tac, tac. C'est dommage, je voulais vous les montrer. C'est dommage, je suis un peu dégoûté. Mais c'est pas bien grave. On va faire 100, les amis. Voilà le moment. Sauf si je les trouve sur, que je les ai sur Twitter. Je vais peut-être les partager. Normalement, l'information qui vient de tomber, Benzema devrait être titulaire 45, voire 60 minutes ce soir. Face au Paris Saint-Germain. Alors. Alors, malheureusement, je vais pas les avoir. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Peut-être sur Instagram, peut-être. Peut-être sur Instagram, les amis. On va regarder ça. Hop. Alors, peut-être je peux peut-être les avoir sur Insta. Ah, c'est dommage si je peux pas. Je voulais vous les montrer. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ah, c'est lié. Presse. Inter.
allié sur Twitter, sur Insta. Je vais vous la montrer. Hop, j'ai juste. Je vais vous la montrer, mes amis. Okay, alors, on voit bien. C'est pour ça que j'ai bien aimé cette presse de Albert Masnou, du côté de la plume du quotidien Mundo Deportivo, comme je vous ai dit. Hop. Tac. Je vais vous montrer ça sur mon téléphone ici. Tac. Sinon je vais vous la montrer un peu. Ouais, je peux vous la montrer. Je vais pas vous la montrer en je sais comment je peux vous la montrer. Devrait marcher. Et As, et c'est pas qu'il y a celle de As. Parce qu'il y a cette As. De As, malheureusement. Ah voilà. Ah voilà. Alors, je vais la voir juste ici. Les amis. Après, on va se quitter. Je vous rappellerai les compos. Probable. Bien sûr.
14 heures passées de 49 minutes, puis 1 heure. Bien sûr, Venise. En attendant, je vous rappelle les compos, les amis. Donnarumma, Navas, Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi en défense. Milieu de terrain, Paredes en attaque. Messi, petite erreur dans la compo. Alaba et Mendy. Milieu de terrain, Salah et Machine. Casemiro, Modric, Kroos. Et en attaque, Vinicius, Benzema, qui devrait être titulaire. Jouer 40 à 45, 60 minutes. Et Asensio. Voilà, les amis, pour cette compo, ces compos probables. Avant de se quitter, je vais vous trouver, bien sûr, évidemment, les unes que je voulais vous montrer. On va pas se quitter sur ça, bêtement, les amis. Ça serait dommage. Très vraiment dommage. Les amis. Et on a passé 1 heure ensemble. Ça fait plaisir, les amis, une petite heure ensemble. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur Twitter de ce que vous avez pensé de ce live. Comme ça, qu'est-ce qui j'améliore et qu'est-ce que vous voulez voir d'autre et est-ce que vous voulez voir des invités. Et si vous voulez participer aussi, dites-moi les amis si vous voulez que vous participiez, qu'on débatte ensemble pendant une petite heure. Pendant une petite heure, les amis, comme ça, ensemble, on échange. Dites-moi tout ça dans les commentaires et je prendrai note et j'améliorerai. Je vais tout ça pour que ça vous plaise, bien sûr. Voilà. Allez. Les deux jeux, je vais vous montrer les amis, j'ai passé quelques... je vous montre ça et après on va se quitter sur ce beau. Voilà, hop là, on y est. Après les petites 20 minutes à chercher c'est une de presse, on les a enfin trouvé les amis. Hop, je vous partage ça tout de suite. Hop, on modifie tout ça. Hop. On modifie tout ça, les amis. Et je partage la bonne page. Tac. Modifier. Changer, hop, tac, on passe là, on passe là, voilà, et voilà. Vous voyez, encore, on retrouve bien sûr Vinicius et Kylian Mbappé au Parc des Princes avec le reflet de la Tour Eiffel. J'ai trouvé cette une très sympa. Et enfin, l'Amdo Deportivo, avec, comment on appelle Messi, comment le Barça appelle Messi? Mbappé, Messi et Mbappé vs Madrid. Morbo, on l'appelle Messi de Morbo, comme c'est la bête noire du Real Madrid, avec Kylian Mbappé à gauche, Karim Benzema à droite et Messi au milieu. Voilà pour laquelle, pourquoi on l'appelle comme ça. Et enfin, Alonso Sport, Albert Masque, c'est Messi contrat sous Pasado. Et oui, on le voit là, Messi. Et
sûr. Est-ce qu'il est en forme? Mais si, selon face à son rival de toujours, c'est la réponse tant attendue. Voilà les amis, n'hésitons bien sûr. J'espère que tout cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi les amis. J'espère que tout ça vous aura plu. Pour ma part, moi, ça m'a bien plu de travailler avec vous en direct. Une petite heure, les amis, pour parler Paris Saint-Germain Real Madrid, je rappelle 21h en direct, bien sûr, les amis, en direct Paris Saint-Germain Real Madrid à 21h, bien sûr. Hop, ça, on va enlever ça. J'espère que ce live vous aura plu. Pour ma part, ça m'a plu, ça m'a bien plu d'être avec vous. Hop. Voilà, hop. Hop. Voilà les amis, n'hésitez pas, on se retrouve bien sûr évidemment sur Twitter, sur Twitch, bien sûr sur YouTube pour toute l'actualité, rediffusion de ce live peut-être sur YouTube dans la journée. Twitter pour toutes les informations, les vos pastilles de chaque jour. Aujourd'hui, je ne devrais pas y en avoir, très simplement. Hein. Comme vous avez vous en doutez, on a fait toutes les informations, je vous ai donné toutes les informations. Pas de, de pastilles aujourd'hui, je verrai peut-être demain, sans doute. Voilà. Voilà. Merci à tous de votre fidélité, les amis. On échange via l'hashtag Petit Jean Club sur les plateformes digitales. Et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. C'est gratuit. À la chaîne YouTube et activer la petite cloche. Ça fait plaisir. Je vous remercie, les amis. Voilà, on va se quitter sur ce Twitter d'information Paris Saint-Germain, Real Madrid, 21h sur différentes chaînes de télé. Vous les connaissez sans doute. Ou au Parc des Princes, comme c'est vous qui voyez, je sais pas ce que vous faites vous. Ce soir, on est prêt pour le match, les amis. Se prépare 21 pour 21h. Peut-être demain, débrief, peut-être en vidéo, je sais pas, voir où jeudi. Un petit débrief jeudi. Dites-moi sur le chat, avis, si vous voulez, c'était un débrief de Paris Saint-Germain Real Madrid, sinon je vous posterai la pastille demain. Je vous ai posté le sondage, vos pronos, je vais vous donner mes pronos avant de vous quitter. Je vous ai posté le sondage, il est encore ouvert jusqu'à ce soir pour Paris Saint-Germain Real Madrid. Mon prono, victoire de Paris. J'attends vos avis en commentaire au sondage et peut-être je sélectionnerai certains de vos commentaires ou non pour les mettre dans la vidéo. Prono, débrief, pardon. Voilà, merci de votre fidélité les amis. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Je reste à votre écoute si vous avez des avis à me donner concernant ce live, concernant bien sûr des améliorations ou vos avis sur le match. On voit ce soir sur Twitter, vous me direz ce que vous avez pensé du match. Petit sondage à la mi-temps, qu'est-ce que vous avez pensé de la première du Paris Saint-Germain, vous me direz. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura plu. Est-ce que vous... Je vous rappelle les amis, si vous souhaitez des améliorations sur le live et ma Twitter avec le hashtag Petit Jean Club, je vous répète. Si vous voulez des invités, si vous voulez participer à ce live, on pourrait organiser ça ensemble. Les amis, je vous embrasse. Très bon match à tous. On dit très très bon match à tous les amis. J'espère que vous avez profité de votre soirée. On est supporters parisiens, pour les supporters parisiens. Allez Paris, pour les supporters madrilènes. À la Madrid, voilà les amis, aucune, on est des deux camps, on supporte les deux équipes, et on a aucune équipe. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura plu, 1h12 ensemble, 4h59, et passé de 26 secondes les amis, on va se quitter dans 30 secondes les amis, à 15h pile, pour rendre l'antenne à 15h, pour avoir fait 1h. Et un peu plus d'une heure, les amis. Mais ça,
Ça a plu, dites-moi ça. Moi, ça m'a plu par contre. On pourrait faire ça régulièrement, les amis. Peut-être pendant les vacances, si vous souhaitez, la première semaine, la deuxième semaine, off, pour ma part. Donc voilà, les amis. 4h59, toujours. N'hésitez pas, voici les différentes plateformes où nous suivre. Merci de votre fidélité. Et n'oubliez jamais ma devise, les amis. Profitez des vôtres. Ah, bon match à tous et bonne journée. Et bonne fin de journée. Hey.